Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 21 juin 2024 et c'est le jour de l'été. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, eh bien, été. Petite philosophie du matin. L'été est la saison du soleil, des longues journées, de la douceur de vivre, de l'amour. Tout est une fête. Il est interdit d'être triste aujourd'hui. Eh bien voilà, belle philosophie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé recul. Vous devez prendre du recul face à votre situation. Alors, que ça soit votre situation familiale, sentimentale, professionnelle, vous devez prendre du recul. Vous n'avez pas tous les éléments en votre possession. Si c'est sentimental, vous devez prendre du recul par rapport à ce que vous vivez présentement. Ne pas agir sur la colère, la nervosité, ça fait pas bon ménage. Et pour le reste, il faut vraiment, voilà, prendre du recul dans votre vie privée aussi, amicale. Il faut prendre du recul. Encore une fois, vous n'avez pas tous les éléments. Et il faut vraiment, impérativement apprendre à savoir dépasser, eh bien, les limites de votre cerveau, car votre intellect vous parasite trop souvent. Vous devez également apprendre, eh bien, à accepter le fait de ne pas avoir toutes vos réponses ou tout savoir en avance, car vous n'êtes pas un génie, n'est-ce pas? On n'a pas, quelquefois, on n'a pas toutes les cartes en main. Et cette carte, elle vient vous inviter à faire un lâcher prise pour vous permettre, pour permettre à votre énergie de circuler plus fluidement et de façon plus neutre et libératrice. Car vous êtes tellement dans le contrôle que vous ne voyez plus. Vous êtes aveuglé par votre contrôle. Et encore une fois, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et ça vous aveugle. Ça vous rend malade, ça vous rend triste. Donc, prenez du recul. Faites un lâcher-prise. Alors, il serait peut-être bon aussi pour certains d'entre vous de transformer vos croyances limitantes parce qu'elles vous limitent vraiment. Reprenez confiance en vous et en vos capacités et abandonnez vos émotions négatives parce que ces émotions négatives, elles vous bloquent. Elles sont bloquantes pour votre évolution. Donc, cette carte vient vous dire que vous devez prendre du recul, que vous n'avez pas tous les éléments en main, que vous ne pouvez pas tout contrôler, que vous devez faire un lâcher-prise. En prenant conscience de tout cela, vous allez faire ce travail sur vous et vous allez voir que vous allez vous alléger de ce que vous avez sur les épaules. Voilà, ça c'est votre travail aujourd'hui. Et c'est essentiel, c'est primordial que vous le fassiez. Très beau message hein, pour terminer cette semaine. Alors encore une fois, ça parlera à certains et ça parlera pas à d'autres. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qu'il vibre avec vous. Hein.
Et pour terminer, énergie de guérison, fidèle. Voilà, fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à notre Créateur. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Eh bien, sur ce beau message, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end dans l'amour, le rire, la joie, l'empathie, la tolérance, la bienveillance. Et puis, on se retrouve dans une prochaine capsule pour de nouveaux messages. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous vraiment, mais dans une belle douceur, n'est-ce pas? Prenez soin de ceux qui vous entourent, prenez soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse tout fort.